au lieu de saisir une scie à ruban à expédier, j'en ai saisi 12. Donc, j'ai envoyé 12 scies à ruban à un client. Lola Barre, responsable vente, service client et référencement produit chez outildespros.fr. J'ai rejoint l'équipe ODP en juillet 2018 pour commencer un contrat d'alternance pour un BTS. Mon entretien d'embauche s'est réalisé avec Moïse et Sarah, très détente, comme à leur image. Ça s'est très bien passé et j'en garde un très bon souvenir. Je m'occupe chez Outildespros de la stratégie tarifaire, de la stratégie de vente, des actions commerciales, des semaines que l'on planifie. Je manage l'équipe service client et je veille à leur bien-être et leur confort au travail. J'arrive toujours un petit peu en avance pour avoir le temps de faire le café. Le café du matin, il est pour moi hyper important. Ensuite, l'équipe arrive petit à petit, je me charge toujours de leur demander s'ils vont bien. On tape un petit peu de la goule. Gabriel, t'es trop chiant. On discute quelques minutes en refaisant le monde et ensuite pour enclencher la journée. Ouais, arrête, ça va pas. Oui, je bricole un petit peu, beaucoup plus depuis que je travaille chez Outildespros et je pense encore plus dans les prochains mois parce qu'on a un projet d'aménagement de combles. Donc là, nous sommes dans les devis, dans les matériaux et machines à avoir. Donc oui, je suis amenée à pas mal bricoler. Mon plus beau souvenir chez Outildespros, c'est l'Instant Pro que j'ai réalisé avec Moïse, basé sur le Club des Pros. On a été à la rencontre de Laurent Jacquet, c'est un super souvenir pour moi, beaucoup de stress, mais un super souvenir que je garde en mémoire. Je drive mon équipe de différentes manières. Je suis toujours dans une démarche d'accompagnement avec les personnes que je manage. Pour moi, c'est hyper important de valoriser leur travail au quotidien, de les encourager, de les motiver. C'est très important pour moi d'être aussi exemplaire dans ce que je crée. Je donne aussi du sens au projet qu'on est amené à mettre en place sur Outildespros. Donc voilà, toujours dans une démarche d'accompagnement, pour moi, c'est la priorité. Ma pire anecdote, elle date de 2018, ma première année arrivée chez Outildespros. Avant, on passait les commandes manuellement et au lieu de saisir une scie à ruban à expédier, j'en ai saisi 12. Donc, j'ai envoyé 12 scies à ruban à un client. Ouais, c'est pas une blague en plus. Ouais, Moïse m'avait rien dit. Outildespros, pour moi, c'est ma première expérience professionnelle. C'est une première expérience très, 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 très formatrice. J'ai beaucoup été aidée par Moïse et je le remercie infiniment pour ça. Mais donc, première expérience pro que forcément, j'oublierai jamais. Attends, il n'y a pas de brindé dans le désert. C'est sur une île déserte. Ah, une île déserte, pardon. J'emporterai une scie égoïne idéale pour moi pour couper des petites brindilles de bois ou du bois de différents diamètres. Pour moi, c'est l'outil idéal. Joyeux Noël! À bientôt sur outildespros.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Rejoins la communauté ODP en t'abonnant juste ici.